Ou bien c'est ouvert, vous pouvez vous asseoir. Veuillez mettre les téléphones sur le mode silencieux. Ministère public contre M. Cissé Raphaël Ava, M. Alpha Madou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kiegoro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Gakite Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui, le Parti civil, M. Ouri Bailoba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA, M. Abdoulaye Troaba, allez-y, asseyez-vous. Parti civil. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur, de me donner la parole pour débuter cette phase de questionnaire au niveau de la partie civile. Monsieur Abdoulaye Troaba. Nam. Je voudrais d'abord d'emblée vous remercier par rapport à votre témoignage parce que vous avez fait preuve d'une bravoure exceptionnelle qui a peut-être permis à notre pays de ne pas sombrer dans la guerre civile en sauvant Seydou Dalein Diallo. Dites-moi, vous exercez cette profession depuis combien de temps? Ce travail que je suis ici, depuis 92. Depuis 92. Avec le doyen Ba Mamadou. Avec le doyen Ba Mamadou. J'étais avec lui. C'est lui qui nous a pris en 2007. De service. Quand ils ont fait la réunion du passation du Elas de service. Parti. Au niveau du parti. Il a pris là ses lots. Avec ses biens, on vous les confie. Comme j'étais entretenu par vous, entretenez-les de cette manière. Il faut que rien ne l'arrive. Si quelque chose doit l'arriver, il faut que ça nous arrive d'abord avant de l'arriver. Très bien.
Ko sabulundo. Depuis ça. Wadi ba me heuti eno kugo. Car nous sommes arrivés jusqu'à un niveau. Ko rundo artika horean. C'est ce qui m'a arrivé en tête. C'est bon. Hein? C'est bon. Voilà. Merci pour ce petit cours d'histoire, qui d'ailleurs l'expérience que vous avez eue a été déterminante le jour J. Maintenant, on va venir à l'affaire proprement dite. Vous avez dit hier que, au niveau de la Fondis, le colonel Thieboro a tenté d'empêcher les leaders de progresser vers le stade, n'est-ce pas? Oh, Hanki, on m'a connu fin de la Fondis, colonel Thieboro a eu un leader de Bentabeyao. Où ça coïbe? Eh, quand on voit les rois, nous allons chercher l'eau et taper. C'est comme ça, il a dit à Elias Selou de ne pas aller rentrer au terrain. Si Benato est en haremoja. Si vous rentrez là-bas, c'est pas bon. Après cette menace, est-ce que il a utilisé d'autres stratégies pour justement empêcher les manifestants de progresser? Est-ce que Zinako Kambani on ton ton yao kon e o wadu no goddun kadifi hadugolon natugol kastad? Bao be waddi rundo après on nanguno. Après ça, il avait pris un de nos militants, on l'a fait monter dans le pick-up. Le leader a exigé à ce qu'on le relaxe parce qu'il n'a rien fait, on ne l'a même pas pris avec une pierre. Après, il a été relaxé. Dites-moi, le fait d'embarquer. D'œuvrer par la stratégie jusqu'à tenter d'embarquer Selou Dalé dans son véhicule n'était pas déjà dans l'optique de l'exfiltrer de la foule et de le faire disparaître. Koko be etuno don ha be fala jawnude alaji Selou ka wato esi harina itugol be ka jama don mutina be few a selo no be irno hari ko non wayi puisque on noddube wi mo fala be yide. Yo be badon wodi ko yewtabe après badon diri o filibe be yadi haka auto après Alhaji Selou Diawi ka bar de pied udidi ba fal auto on to magore jam wiete do wuri balde on ko dimmo jam o ari o tayala jeng ka dari on Alhaji ko on don do menga wadde Alhaji mi woto hulu yahe en fotte ga tere on Alhaji ngura ngata taw ta nguru jippega kanko e Mamadou Juma Diallo be kuti Alhaji be jippin ga leedi. Donc la manière dont il a fait, ça a expliqué ça, parce qu'il a appelé Elage comme il voulait le voir. Il a mis sa main autour de lui, il a employé, jusqu'à Elage, ils ont fait descendre la porte. Elage avait mis les pieds sur les marches pour rentrer dedans. Maintenant, mon ami dit, Elage, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il dit, non, allez-y, on va se retrouver. Il dit, non, il ne faut pas être sûr de ce qu'on vous dit. Descendez, c'est en ce moment qu'on l'a fait descendre. Ça veut dire que c'est de cette manière-là qu'il voulait le faire. Donc, c'est après l'échec de sa tentative de l'exfiltrer de la foule qu'il allait vous attendre au stade, oui ou non, à l'entrée du stade. Après di mojo makugo ni mon capitaine ya en grand foule qui vient avec Hamdallah on tuma be jetto rojo mabbe de be jippori ka fondis do be yar ka cornice. Après ça il y a une grande foule qui venait. Maintenant les policiers étaient tirés en haut. Maintenant quand ils ont vu la foule là, il y a un policier qui dit mon commandant, il y a une grande foule qui vient vers Hamdallah. En ce sens, au moment que et ils se sont embarqués dans leur véhicule, ils ont bifurqué vers les corniches. On va parler de la présence du colonel Thieboro au niveau de la pelouse. Puisque c'est important de le préciser. Hier, Abdourahmane Ba l'a indiqué. Est-ce que vous-même, vous confirmez qu'effectivement, le colonel Thieboro était sur la pelouse au moment des faits? Est-ce que vous l'avez vu de vos propres yeux? Johnny Yeouten. Fi colonel Thieboro ka pelouse hanki adroman wolno dum o sitay an kadi a critiquer anti ayino colonel Thieboro ka der ton ka pelouse kono woni remi yino mo. C'est comme ça, moi aussi je l'ai vu. Très bien.